Vous avez la parole, cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, d'abord, je voulais dire ma compassion pour les familles et pour tout le peuple congolais. Mes condoléances donc aux familles éprouvées et à tout le peuple congolais. Et je voulais faire une mise au point ici. Quand les gens disent, certains collègues, que nous sommes des frontaliers, que vous ici, dans certains coins de la République, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas ce qui se passe et vous ne souffrez pas de la même façon que nous. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes tous Congolais. Ce qui se passe à Beni m'interpelle moi au premier chef. Ce qui se passe à Boma, ça m'interpelle. Je ne peux pas comprendre pour dire, les gens qui disent, même vous-même, Monsieur le Président, que vous allez rentrer chez vous et vous allez dormir paisiblement. Ce n'est pas normal. S'il y a des gens qui dorment paisiblement, je suis désolé, ils n'ont pas leur place ici. Alors, pourquoi nous avons assisté à un carnage, avait dit un collègue ici. Moi, j'ajoute que c'est un holocauste. Nous avons vécu un holocauste. Et je demande à notre commission, parce que la commission a recueilli des préoccupations des populations. La commission est descendue sur le terrain ou sur les sites de tuerie à Eringeti et à Oicha. La commission a eu des entretiens avec certaines catégories de la population. Mais la commission ne nous a pas donné la liste. La commission n'a pas amené des photos. Moi, j'ai ici, Monsieur le Président, je vais vous le donner. J'ai les noms et j'ai des photos. Il y a des photos ici, c'est macabre. C'est difficile à supporter. Il y a des photos. Il y a des noms dans chaque site. Et je me demande comment cela a pu se passer. Comment est-ce que nous sommes arrivés à ce niveau? Mais il ressort du rapport de la commission quatre choses que j'ai notées. Et j'insiste sur ces quatre choses. La première, c'est quoi? C'est que le chaos est total en République démocratique du Congo. Monsieur, s'il vous plaît, c'est la commission qui l'a dit. La deuxième... Ah bon, hein? Quand on tue les gens là-bas, vous pensez que c'est quoi? C'est pas les chaos? Je continue. La deuxième, c'est... Monsieur, c'est la commission qui l'a dit. Deuxièmement, l'affairisme a gagné le terrain. Mais, Monsieur le Président, je ne sais pas, est-ce qu'on a lu les mêmes rapports ou pas? Je ne comprends pas, je ne comprends absolument rien. Vous avez lu les rapports ou quoi, monsieur? Alors, vous ne comprenez absolument rien. Si vous avez lu, venez ici, menteur. C'est vous le menteur. S'il vous plaît, collègue Fayoub, consommez mais, votre temps. Mais protégez-moi, s'il vous plaît. Vous consommez votre temps. Non, mais vous le protégez, s'il vous plaît. Alors, vous allez aussi me protéger, collègue Fayoub. Consommez votre temps et vous avez encore 2 minutes. Mais voilà, j'ai toujours et 2 minutes. Honorable Pius, honorable Lungu, laissez-le parler. Trois. J'ai dit pour le deuxième point, l'affairisme a gagné le terrain. Oui. Troisièmement, il y a complicité, les collègues ont relevé ici. Les complices sont tapis dans nos institutions. Quatre, en un mot, il y a absence totale de l'État ici en RDC. Alors, s'il n'y a pas absence totale de l'État, sinon... Monsieur le Président, je vous attends pour que vous calmiez les autres. Sinon... Un instant. Voilà. Je crois que lorsque un collègue parle, il n'est pas indiqué d'intervenir, de l'emmerder. Que ce soit de ce côté-là ou de ce côté. Le collègue est en train d'expérimenter, donc laissez-le parler jusqu'au bout. Allez-y, vous avez vos... Je disais qu'il y avait absence totale de l'État, sinon comment expliquer qu'une armée qui a mis en déroute les M23 il y a quelques mois soit incapable de sécuriser notre population de Beni? Comment expliquer cela?
Monsieur le Président, nous voulons savoir aujourd'hui, parce que les membres de la Commission, peut-être ils sont venus, mais je pensais qu'ils pouvaient s'étendre sur ça. Il y a certains opérateurs économiques de la ville de Beni qui sont aujourd'hui interpellés par l'ANR. Nous voulons savoir où se trouve Madame Gertrude Vihumbira et tant d'autres hommes d'affaires et femmes d'affaires de là-bas. Nous voulons le savoir, qu'on nous dise pourquoi il y a cette traque, pourquoi on traque certains fils et certaines filles du pays. Qu'on nous le dise pourquoi. Alors, comme recommandation, je voulais dire ceci. Vu l'absence totale de l'État et le degré de complicité interne, nous exigeons une enquête internationale pour que la lumière soit faite et que les auteurs soient arrêtés. Merci. Merci, cher collègue.